messieurs, les membres de la communauté de Parakoko, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui devant vous. C'est un grand cerveau. A oui, en bas, pour le gagnant. Et là, c'est tout. Voilà beaucoup de et j'ai appris de l'année. Et en bas, je dis non. Ce soleil de l'île, pour aider le long, on sait ma et on est à la fin. Nous avions souvent programmé par la coupe. C'est. On n'est jamais venu. C'est. Par des temps, on s'y va. Par la tête. Et aujourd'hui on est à Parakoko, ça veut dire que c'est aujourd'hui que Dieu a voulu qu'on vienne à Parakoko, ce n'était pas les autres soirs. Là, ce soir-là, on va à Parakoko. Ce soir-là, les choses se passent, on va à Parakoko. Parce que alors on va à Parakoko. Une fois même, on était en train d'arriver et puis on a regardé l'heure et on a dit c'est un peu tard, on est allé ailleurs. C'est monsieur Septandi qui nous a dérouté sur un autre programme. Alors, on a dit par un autre bon. Au nom de bon, on a dit à l'autre. Ouais, c'est pas de la way. Mais ça va aller, elle est sur le bon et où est-ce que bon. Je préfère dire la vérité, je me souviens plus si c'est l'une ou bien si c'est l'autre. Aussi, et s'il protestait ce jour-là. Mais on n'était pas loin. Et après, on est allé faire un autre meeting, on est parti. Mais on s'est dit, à la première occasion, on viendra à Paris. C'est pour la mambo, elle est la photo pour jamais, là, elle est là, parce qu'elle est bien venue. Mais pour la mambo, elle parle de l'air. Non, non, elle sera là, elle monte. Allez, hein. Pour ça, on va y aller, par la coco, comme tu vois. Bien, yeah, nous sommes en train de faire une tournée nationale. On est allé, on a commencé par la région maritime, après on est allé à la savane, et on est en train de descendre, on a fait la région de la savane, la région de la Kara. On a même fait un meeting à Kara et à Kouméa. Après, on est descendu de la région centrale. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on aborde la région des plateaux avec Parakoko comme premier village. On va voir tout le monde qui est là. On va passer tout 55 ans au début. On va voir tout le monde qui est là. On va voir tout le monde qui est là. On va voir plateau qui est là. On va voir plateau qui est et alors, quel est le message? Pourquoi est-ce que nous faisons cette tournée? Nous faisons cette tournée parce que d'abord nous sommes un parti politique. C'est un parti politique qui va toujours faire une tournée pour s'implanter, vérifier son implantation. Et puis, une deuxième raison, c'est que quand même, on est à l'approche d'échéances électorales importantes. C'est... Et bien, non, et bien, on va, ouais, quoi, j'ai tout d'être de l'air. Quand j'ai l'air, on va dire, elle est politique, on va y aller. Et politique, on va y aller, on va dire, on a vu, j'ai tout d'être là, je n'en sais. Et y'a un bas, pas passé, j'ai tout d'être là, par la première, ma. Dans la première, là, ah, bon, on va y lancer. Élection, on va, ou ça. Donc, bien, on va y aller, et y'a un seul mot. Alors, cette tournée, donc j'ai dit, nous vérifions comment fonctionne notre parti. S'il est bien implanté, s'il n'est pas bien implanté, on corrige, etc. On voit, on vérifie un peu. Mais également, nous avons un message important pour les populations populaires. C'est, peut-être qu'il y a l'homme, hein. Eh, il est venu, mais il y a l'homme, voilà, c'est. Et ma, peut-être. Et nous avons
Et quel est le message? Comme il est le message, c'est que il est important, il est d'une absolue nécessité que l'alternance arrive au Togo, que le changement arrive au Togo. C'est ton bien c'est pour être que le changement arrive au Togo et que on remplace l'équipe actuelle qui est au pouvoir depuis bientôt 50 ans. Le père a fait 40 ans et le fils a fait 10 ans. Ça fait bientôt 50 ans. C'est pour la lettre et pour le Togo. Très bas pour le Togo. La cause et que dans une démocratie, ce n'est pas la même famille qui va diriger un pays pendant 50 ans. Et puis, ce n'est pas normal. Démocratie dans le... Pourquoi? Démocratie dans le... Pourquoi? C'est jamais pour le dire. Il y a un peu de erreur, mais il y a un peu de erreur. Et que... Il faut qu'une nouvelle équipe arrive et qui s'occupe des véritables problèmes des Togolais et qu'on n'entende plus parler de des doléances qu'on a eues ici tout à l'heure. On a dit, nous n'avons pas de d'eau potable. Nous n'avons pas d'eau potable. Après plus de 50 ans d'indépendance, ça n'est pas normal. Eau potable, les centres de santé, les écoles, on a entendu parler de tout ça. Des routes. Non, ça n'est pas normal. Surtout quand on entend que le chef de l'État dit lui-même, ce qui conduit le pays, dit lui-même, une petite minorité du Togolais s'approprie les biens des Togolais. Il y a 10 ans, le 26 avril 2012. C'est pour moi, la France est mort. Mais tout le monde est mort, il y a un homme. Tout le monde est mort. C'est pas la même chose. L'homme, si lui-même dit une petite minorité s'approprie les richesses du pays, ça veut dire qu'il conduit la minorité qui s'approprie les richesses du pays. C'est ça? Bien, son nom là, nous sommes là. Il faut qu'une nouvelle équipe arrive qui utilise les richesses du pays pour régler les problèmes des Togolais au lieu de les mettre les richesses dans la poche, comme lui-même le dit. Il faut qu'une équipe arrive pour utiliser ces richesses pour résoudre les problèmes des Togolais, notamment l'eau, les écoles, les centres de santé, etc. C'est bon. Et il y a un peu de l'ailleurs. Moi, c'est par rapport à ce que je veux Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour moi. Parce que j'ai en face de moi majoritairement des cadres. Où je suis dans un village majoritairement cadien. C'est vrai? C'est vrai, non? Et je suis très content d'être bon. C'est un Parce que moi,
Parce que moi, je ne sais pas si je suis du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Mais je suis un Togolais. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est que je suis Togolais. Et j'aime mes frères Togolais. Qu'ils soient Kabier, Oba, Loko, Kotokoli, Arna, Arna, Arna. Moi, je n'ai pas de frères. J'ai mes frères Togolais. Et si je dois faire quelque chose pour un Anna, je fais la même chose pour un Kabia, un Loso, un Kotokoli, un Boa. Bien, ça va. Mais, quand on a créé le RPT, on a dit, enfin, un Kabier est président de la République, un Kabier est président du RPT. Tous les problèmes des Kabiers sont résolus. C'est vrai ou c'est faux? C'est... Papa, dites-moi la vérité, c'est vrai ou c'est faux? Les intérêts des Kabiers. Comment se fait-il qu'il n'a pas apporté que l'eau Kabiers qui sont en parano de l'eau potable? Ce sont là, RBD Doma, on voit que le Kabier de la Sambouyongo, et comme il y a un Kabier de l'Eroma. Mais, ça veut dire que tout ça, c'est faux. C'est des mensonges qui sont destinés à vous tromper. Pour que vous soyez là, vous, les Kabiers, ou vous, les gens du Nord, vous soyez là à soutenir un régime qui est basé seulement sur la discrimination ethnique. Dis bon, vous êtes, nous sommes des frères. Soyez toujours avec moi. Gardez-moi au pouvoir longtemps. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour lui-même. C'est pour ça que il faut finir avec ces histoires du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord. Ça n'a aucun sens. Nous sommes des Togolais, des frères sur le territoire. Moi, nous allons partir. Parce qu'il n'y a pas de Kabier. Les Kabier, si je suis président de la République, quand je serai président de la République, je m'occupe des Kabier comme je m'occupe des Allemands, comme je m'occupe. Je suis le président de tous les Togolais. Je n'ai pas besoin de mes frères. Est-ce que mes frères seuls peuvent me porter au pouvoir? Non. C'est tout le monde qui peut me porter au pouvoir. Et on compte sur tout le monde pour me porter au pouvoir, pas seulement sur des frères de race ou des filles. Donc, selon moi, peut-être, Et je peux vous dire, quand nous serons au pouvoir, quelques années après, aucun village du Togo ne parlera de problèmes d'eau potable. Aucun. Parce que si nous ne sommes pas capables d'apporter de l'eau potable, nous n'en sommes pas possible. Même pas
Et ça se fait. Moi, j'ai discuté avec le président Compaoré du Burkina, du Mali. Ils sont dans le Sahel. Ils ont des problèmes d'eau. Mais ils ont créé un ministère d'État chargé de l'eau. Et qui, chaque année, s'occupe de créer des prix partout. Des milliers de prix chaque année. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Si l'eau est un problème, ils sont obligés de faire ça. Il en est de même des autres problèmes. Je ne dis pas que le Togo va devenir la France, mais je dis que les problèmes de base seront réglés. Tromper pour rester au pouvoir. Quand le RPT a changé de nom, est devenu unir. Pourquoi il a changé de nom? C'est RPT, un nom RPT. Ouais, c'est quelque chose pas grave là, y a quand. Tout son nom RPT, il y a RPT là. Pourquoi? S'il était content, si moi je suis content de moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai construit des routes, j'ai amené de l'eau potable à Palapoko, à partir au Togo. Et pourquoi je vais changer de nom? Je serai fier qu'on dise que c'est le RPT. Est-ce que tu as fait ça, fait ça? Mais tu dis pas qu'ils ont changé de nom. Parce qu'ils ont honte de leur nom. Ils n'ont rien fait avec. Ils n'ont rien fait. Et quand on dit à Petit, ils ont tué ici, ils ont menti ici, ils ont volé ici. C'est tout. Elle veut dire unir. Et elle sera en là. On n'y est rien. Il n'y a pas de l'air de l'air. Là, oh, avec nous. Et là, nous avons pour elle. Il y a Paris, elle est. Eh bien, on laisse les gens. Il y a des gens qui sont là. Aïe. C'est pour ça. Quand un serpent est à la bouche, vous connaissez le serpent dans la bouche, papa, le serpent de temps en temps, il change de peau. Il laisse sa peau là-bas, on vient voir la peau du serpent est transparente. Et le serpent sort de la peau, ça va. Le serpent qui a changé de peau, est-ce qu'il est devenu un lézard? Voilà, c'est comme un peu. Il n'est pas devenu un lézard. Donc, unir égale RPT égale serpent.
Mais pourquoi
Malgré tout ce qu'ils font, ils disent moi qu'ils ont mis l'argent du taureau en poche. On vient vous voir. Ah, on vient vous voir. À l'approche des élections, on vient vous voir. On vous apporte des cadeaux. C'est vrai, non? Un peu d'argent? De l'argent? Du riz? Du mil? Tout, tout. Boire de la colle pour voter pour nous, pour voter pour soi, c'est bon papa, c'est pas bon. Mais eux, ils veulent rester là-bas. Tout ce que vous devenez, ils s'en foutent. Ils vont devenir des ivrognes. Vous devenez des ivrognes, c'est pas leur problème. Vous avez déjà voté pour eux, c'est tout. Merci. Alors, c'est comme il y a une gueule, oui, elle est une gueule, elle est présidente. Elle est une gueule, elle est une gueule, elle est une gueule. Pour le yamou, quand je vois le pour le bâton, pour le bâton, est-ce que vous voulez ou non? Bon. C'est pas moi, c'est un château à l'année. Vous n'avez pas de 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 château à Ouais,
Il a fait 6 mois à la gendarmerie. Elle a pénalisé notre gendarmerie. 6 mois. Pénalisé notre. Et lui, il est comme moi, interdit de sortir du Togo sans autorisation du juge. Elle doit. Et c'est mauvais. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir des gens qui font ça au seul motif qu'ils sont de la même ethnie que vous. Elle est belle et tout le monde sait. T'as la bien mal. Tout le monde dit y'a bouillon. T'as du café mal, c'est ça. Je vais vous dire, j'ai dit, nous sommes tous des Togolais. Vous êtes des Togolais. Vous êtes Togolais. Vous êtes ici depuis des générations. La première chose, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils viennent vous donner des cadeaux à l'approche de l'élection. La deuxième chose qu'ils viennent vous dire, si vous votez pour les Aounas, ils vont vous chasser ici. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que je suis fou? Est-ce que moi, je viens vous demander de voter pour moi? Vous allez voter pour moi, je vais gagner et je vais vous chasser. Parce que je suis terré. C'est eux qui sont fous. Des menteurs. C'est son nom, mais vous votez pour nous et vous n'irez nulle part. Vous resterez chez nous. Nous n'allons chasser personne. Pour nous, c'est tellement évident qu'on en parle maintenant. Mais, puisque je viens vous mentir, on est obligé de corriger. Voilà, c'est le majeur là. Voilà. Voilà un peu les choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir des chefs du village devant moi et d'avoir des auditeurs et un public aussi important. Mais pour nous, la quantité du public n'est pas importante. Il n'y a pas de petits ou de grands. On parle à des Togolais. Ils sont petits, ils sont là. On parle à des Togolais. Et on sait qu'ils iront parler de nous. Peut-être en bien, peut-être en mal, on n'en sait rien. Mais ils iront compter notre message quand ils vont partir d'ici. Et c'est ce qui nous importe. C'est un temps où Emma est en train de se faire. Et là, oui, elle est en train de se faire. Et là, il y a un bâton qui est un peu aussi comme ça. Donc, quand le moment des élections viendra, allez vous inscrire et voter. Et pour le changement. C'est quand il y a ça va. Ça va.